Nous allons commencer cette séance dans une position assise confortable. Ici, je suis assise sur mes talons. Tu peux également te placer en tailleur ou sur un coussin. Dépose ensuite tes deux mains sur tes genoux et laisse tes paupières se fermer. Prenons un instant ensemble ici pour arriver sur notre tapis et se reconnecter au souffle. Ton souffle et ton pont te permettent de te reconnecter à ton corps. Passe ta main droite au centre de ta poitrine. Ta main gauche sur ton ventre. Ressens, visualise cet air parcourir ton corps, cette ligne verticale qui te permet de trouver l'alignement et l'harmonie intérieure. Plus tu respires, plus ton souffle se fait fluide, et plus ton mental se détend, ton corps se relaxe. Joins à présent tes mains en prière devant ton cœur et frotte tes paumes de main l'une contre l'autre, très fort, très vite, pour créer de la chaleur. Et bien enfin, déposer tes mains sur une des parties de ton corps vers laquelle tu as envie d'envoyer de la chaleur et de l'amour en particulier aujourd'hui. Visualise cette chaleur pénétrer ton corps pour l'envelopper de l'intérieur. Une fois cette chaleur dissipée, relâche tes mains sur tes genoux et laisse doucement tes paupières s'ouvrir. Tourne ta tête à droite au-dessus de ton épaule. Puis à gauche. Entrelace tes mains au-dessus de ta tête et viens t'étirer comme un second réveil. Entrelace à présent tes mains à l'arrière de ton dos et pousse ta poitrine très loin vers l'avant pour créer de l'espace au niveau de ton sternum. Et relâche. Dépose ta main droite à droite de ton corps sur ton tapis et envoie ton bras gauche le long de ton oreille pour ressentir l'étirement sur le flanc gauche de ton corps. Ramène la paume de ta main vers la terre et arrondis légèrement l'arrière de ton corps. Pose dans ta main droite et passe de l'autre côté, main gauche au sol, bras droit le long de ton oreille. Tire ta hanche droite vers la terre pour accentuer l'étirement. Repousse-toi pour revenir au centre et passer à nouveau à droite. Cette fois-ci, la paume de ta main est tournée vers le ciel, ce qui te permet d'ouvrir ta poitrine vers le plafond. On passe de l'autre côté, main gauche au sol, bras droit le long de ton oreille. Et reviens au centre. Redépose ta main droite à droite de ton tapis et cette fois-ci lève tes hanches vers le ciel en tendant ta jambe gauche à l'arrière. Envoie ton bras gauche le long de ton oreille et ramène ton pied gauche complètement dans la terre à 90 degrés parallèle à ton tapis. Lève à présent ta jambe gauche hors du tapis. Tu plies cette jambe pour la ramener vers ta poitrine. Attrape ton tibia par l'extérieur avec ta main gauche et fais une petite boule. À nouveau, inspire, allonge. Expire, amène. Une dernière. Dépose à nouveau ton pied dans le sol. Puis tes fessiers sur tes talons. Même chose de l'autre côté. Main gauche dans ton tapis, jambe droite tendue et tu envoies ton bras droit le long de ton oreille. Ton pied est à 90 degrés dans le sol pour te permettre d'être bien stable. Lève à présent ta jambe vers le ciel. Inspire, tu allonges. Expire, tu ramènes complètement vers l'intérieur. Arrondis l'arrière de ton corps. À nouveau, inspire, tu allonges. Expire, tu ramènes. Dernière, tu tends. Et tu ramènes. Retends pour déposer cette fois-ci ton pied dans le sol. Ouvre grand dans ta poitrine. Avant de t'asseoir à nouveau sur tes talons. On passe à présent à quatre pattes pieds flax. Commence à dessiner des cercles dans un sens puis dans l'autre autour de tes poignets. Pour réveiller doucement ton corps,
tes articulations, ta colonne vertébrale, des mouvements organiques. Viens t'asseoir dans Balasana, fessier sur tes talons, bras tendus vers l'avant. Inspire, ressens l'arrière de ton corps qui se gonfle. Et expire pour redérouler ta colonne vertèbre par vertèbre, à nouveau à quatre pattes. Flex de tes pieds et ouvre tes genoux à la largeur de ton tapis. Inspire, arche ton dos, ouvre dans ton cœur. Expire, amène ton menton vers l'intérieur et pousse dans le sol pour arrondir l'arrière de ton cœur. Depuis le bas, ton ventre, inspire, arche ton dos. Expire, tu repousses, crée de la chaleur. Continue, inspire, tu ouvres. Et sur ta prochaine expiration, tu envoies tes hanches à l'arrière dans ton chien tête en bas. Garde tes pieds à la largeur de ton tapis et monte très haut sur la pointe de tes pieds. Bascule tes hanches de gauche à droite pour créer un petit peu plus de mouvement dans le bas de ton corps. Puis marche tes mains jusqu'à l'arrière de ton tapis, de sorte à ce que tes talons soient connectés à la terre. Frappe tes coudes opposés et bascule de gauche à droite. Si besoin, tu peux plier tes genoux. Glisse tes mains en dessous de tes plantes de pied. Presse tes pieds contre tes mains et allonge dans ta colonne en ressortant tes fessiers vers l'arrière. Sur l'expiration, tu plonges pour connecter le bas de ton ventre à tes cuisses. Laisse tes coudes s'ouvrir sur le côté pour maintenir ton dos bien droit. Sors tes mains en dessous de tes pieds et remarche jusqu'à l'avant de ton tapis dans la domonka, ton chien tête en bas. Pieds joints. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds et fais deux grands pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Main contre tes tibias, sur ton inspiration tu allonges dans ta colonne. Et sur ton expiration tu plonges. Déroule vertèbre par vertèbre, nourris-toi de l'énergie de la terre pour te grandir de bras vers le ciel. Joins tes mains en prière devant ton cœur. À nouveau inspire vers le ciel, allonge. Expire pour plonger deux mains dans ton tapis, Uttanasana. Inspire, allonge dans ta colonne. Et viens placer ton pied gauche puis ton pied droit à l'arrière dans le sol. Planche. Vérifie que tes épaules sont au-dessus de tes poignets. Et utilise cette stabilité pour trouver de la puissance dans cette posture. Ramène tes hanches vers la terre en maintenant tes pieds flax, chien tête en haut, en relevant ton buste. Pousse dans le sol et dépose enfin tes genoux dans ton tapis, puis tes deux avant-bras dans la posture du sphinx. Avec le bout de tes doigts, tire ton tapis vers l'arrière pour permettre au haut de ton buste de se relever. Pousse tes hanches dans la terre et viens entrelacer tes doigts ensemble. Pousse très fort et traverse ton bassin. Presse le dos de tes pieds dans ton tapis pour relever tes hanches, planche modifiée. Relâche uniquement tes hanches vers la terre et ouvre dans ta poitrine. On le refait une deuxième fois. Pousse dans tes avant-bras, pousse dans tes pieds et relève. Relâche tes hanches vers la terre, ouvre dans ton cœur. Et à nouveau, tu pousses. Et relâche. Dernière. Et tu déposes avec contrôle en maintenant l'intégrité dans le haut de ton corps. Place tes mains à côté de ta poitrine, bascule tes hanches de gauche à droite.
Ouvre ton bras droit à droite à 90 degrés, puis roule sur le flanc droit de ton corps en envoyant ta jambe gauche à l'arrière. Ta main gauche ici est en appui. Repasse au centre et ouvre cette fois-ci ton bras gauche à gauche pour basculer sur le flanc gauche de ton corps. Puis reviens. Flexe tes pieds et repousse-toi pour déposer tes fessiers sur tes talons. Balasana pied flex. Une grande impulsion avec tes jambes pour basculer tes épaules vers l'avant, planche. Et à nouveau, tu replies vers l'arrière, balasana, pied flex. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Si c'est possible pour toi, challenge-toi et garde tes genoux hors du tapis lorsque tu es à l'arrière. Retends tes jambes et tes hanches à l'arrière, chien tête en bas. Vois ta jambe droite vers le ciel, puis plie dans ton genou. L'intérieur dessine de grands cercles pour sentir de l'espace se créer dans ta hanche. Tourne dans l'autre sens. Puis monte très haut sur la pointe de ton pied gauche. Dépose ton pied entre tes deux mains et relâche ton genou arrière dans ton tapis pied pointé. Pousse dans ton pied droit pour relever ton buste à la verticale, deux bras le long de tes oreilles. Attrape tes coudes opposés. Et en maintenant ton regard vers l'avant, tire tes coudes vers l'arrière, tout en permettant au haut de ton buste de basculer légèrement vers l'arrière. Continue de presser activement ton genou arrière dans ton tapis, tout en poussant tes hanches vers l'avant. Tu vas alors sentir un étirement profond au niveau de ton psoas. Inspire, tire ton sternum vers le ciel. Expire pour basculer peut-être un petit peu plus loin tes coudes. Relâche tes coudes et dépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Flexe tes deux pieds dans ta jambe droite, demi-grand écart. Ramène ton buste vers l'avant en maintenant ton dos bien droit. Replie ta jambe droite, ouvre dans ta poitrine. Et expire vers l'arrière. Encore vers l'avant, tu ouvres. Et vers l'arrière. Marche à présent tes mains à gauche de ton tapis pour sentir un étirement sur le flanc droit de ton corps. Continue de presser activement ton pied droit dans le sol. Tourne à présent ton tibia gauche à droite de ton tapis et ramène ton pied droit parallèle à l'avant de ton tapis. Inspire, arche ton dos. Expire pour repousser le sol en arrondissant l'arrière de ton corps. À nouveau 4 KO. Inspire, tu ouvres. Expire, tu arrondis. Continue. Ramène ton pied gauche vers l'intérieur pour venir t'asseoir juste derrière ton talon. Ta jambe droite étendue, ton pied pointé. Place ta main gauche à l'arrière de ton corps et dans une grande impulsion, relève tes hanches vers le ciel pour étirer. Redépose tes hanches au sol, main droite sur ta jambe droite. Penche sur ta jambe en envoyant ton bras gauche le long de ton oreille. Garde ta poitrine grande ouverte. Puis relève ton buste, à nouveau main gauche dans le sol, et tu vas tourner cette fois-ci sur ton tibia gauche. Tu arrives dans une posture du pigeon modifié. Pousse très fort dans tes deux mains autour de ta jambe à l'avant pour lever tes hanches. La pointe de ton pied gauche est toujours connectée à la terre. Tu repousses fort, puis tu redéposes. À nouveau, tu pousses et tu déposes.
Dernière, tu pousses. Et tu relâches. Axe ton pied à l'arrière et repousse-toi dans ton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et en pliant dans ton genou, dessine de grands cercles par l'intérieur. Tourne dans l'autre sens. Et viens enfin déposer ton pied entre tes deux mains pour relâcher ton genou arrière dans ton tapis pied pointé. Relève ton buste et directement attrape tes coudes opposés. Inspire, tire ton sternum vers le ciel. Expire pour basculer un petit peu plus loin vers l'arrière. Continue de pousser activement tes hanches vers ton talon à l'avant. Redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Flexe tes deux pieds dans ta jambe gauche demi-grand écart. Va le plus loin possible avant de replier ta jambe gauche. Et même chose, tu pousses tes hanches très loin avant de retendre. Tu plies. Et tu tends. Navigue tes mains à droite de ton tapis, tout en pressant activement ton talon avant dans le sol. Ramène ton pied droit vers la gauche et tu ouvres dans ton demi-grand écart. Inspire, tu ouvres dans ta poitrine, arche. Expire, tu repousses. Encore pour deux, tu ouvres. Et tu reposes. Dernière arche, tire le regard vers le ciel. Expire, protracte en rétroversant ton bassin. Ramène ton pied droit vers l'intérieur et viens t'asseoir juste derrière ton talon, au sol. Dépose ta main droite derrière toi et lève tes hanches vers le ciel en envoyant ton bras gauche le long de ton oreille. Redépose et navigue de l'autre côté en penchant sur ta jambe gauche, bras droit très loin vers le côté. À nouveau, relève ton buste, dépose ta main droite dans le sol, puis ta main gauche pour rouler sur ton tibia droit. On est parti, pousse dans le sol, arrondis l'arrière de ton corps en gardant la pointe de ton pied connectée à la terre. Dépose. Et pousse. Une dernière, tu déposes. Et tu reposes. Et relâche. Flexe ton pied arrière et repousse-toi dans ton chien tête en bas. Vois ta jambe droite vers le ciel en montant très haut sur la pointe de ton pied gauche. Connecte ton genou droit à ta poitrine et dépose ton pied entre tes deux mains. Tourne ton pied arrière à 90 degrés dans le sol, puis place ta main droite à l'intérieur de ton pied, au sol ou sur un bloc. Vois ton bras gauche vers le ciel, puis le long de ton oreille. Presse le coin externe de ton pied gauche dans le sol pour accentuer l'étirement sur le flanc gauche de ton corps. Pousse dans ton pied droit et relève ton buste guerrier 2. Assure-toi que ton genou avant est bien au-dessus de ta cheville et tire ce genou loin vers l'avant. Tourne ton talon arrière vers le ciel
et viens placer ta main gauche à l'intérieur de ton pied, bras droit vers le ciel, easy twist. Pousse dans ton pied et dans ta main pour tirer ta hanche droite vers le ciel. Tourne ensuite sur le coin externe de tes deux pieds en basculant tes hanches vers la terre et le bras droit vers l'arrière. Puis tu tournes de l'autre côté, deux pieds parallèles, Prasarita. Tes deux mains sont dans ton tapis, coude qui tire vers le ciel à 90 degrés. Marche tes mains le plus loin possible derrière tes pieds. Puis plie tes jambes beaucoup, ramène tes talons vers l'intérieur et relève ton buste dans la posture de la déesse. Joins tes mains en prière devant ton cœur et assis-toi bien bas. On respire ensemble dans cette posture pour 5. Pousse dans tes pieds pour 4. Pour 3, garde ton buste bien droit. Pour 2, tu presses activement tes paumes de main l'une contre l'autre. Pousse dans le sol, envoie tes bras vers le ciel et tends tes jambes pour te nourrir de cette chaleur avant de te rasseoir. Deuxième round. Encore tu tends. Et tu t'assois. Redépose tes deux mains dans ton tapis et ouvre tes pieds parallèles et bascule ton buste vers l'avant, à nouveau Prasarita. Marche tes mains jusqu'à l'avant de ton tapis autour de ton pied et tourne ton talon gauche vers le ciel. Flex à présent ton pied droit et monte sur ton talon droit. Essaye de ramener ton talon gauche à l'arrière dans le sol à 45 degrés. Si c'est trop, tu peux le garder en l'air. Replie ta jambe droite et viens glisser ton genou gauche juste derrière ton talon droit pour t'asseoir dans une torsion. Enveloppe ta jambe droite avec ton bras gauche et twiste vers la droite. Regarde au-dessus de ton épaule. Inspire, allonge dans ta colonne. Expire, twist. Puis relâche. Redépose tes deux mains autour de ton pied droit et fais léviter ta jambe gauche très haute vers le ciel, standing split. Avec contrôle, dépose ton pied gauche à l'arrière très loin dans ton tapis et le pied droit le rejoint, chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel. Puis dépose ton pied entre tes deux mains. Tourne ton pied à l'arrière à 90 degrés et place ta main gauche à l'intérieur de ton pied au sol ou sur un bloc. Envoie ton bras droit vers le ciel, puis le long de ton oreille. Continue de presser activement ton épaule contre ton genou, sentir l'étirement dans ta hanche. Pose dans le sol, relève-toi, guerrier 2. Tout en veillant à garder ton genou bien ouvert sur le côté. Dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied gauche et envoie ton bras gauche vers le ciel, easy twist. Inspire, tu te grandis. Expire pour basculer sur les coins externes de tes deux pieds. Pousse dans le sol et on va naviguer de l'autre côté, Prasarita, avec tes deux pieds parallèles. Cette fois-ci, attrape tes gros orteils avec tes deux premiers doigts. Sur l'inspiration, tu allonges en pressant tes orteils contre tes doigts. Et sur l'expiration, tu plonges. Coude ouvert sur le côté. Bascule un petit peu plus de poids sur tes orteils et tire tes hanches vers le ciel. Relâche à présent tes gros orteils et renavigue jusqu'à l'avant de ton tapis pour te repousser dans ton chien tête en bas. Regarde entre tes deux mains, marche ou saute pour retrouver l'avant de ton tapis. Et directement viens t'asseoir sur ton tapis, en envoyant tes jambes vers le ciel, bras le long de ton corps ou peut-être vers le ciel. Quelle que soit l'option que tu choisis, tu gardes ta poitrine grande ouverte vers le ciel. Utilise tes fléchisseurs pour ramener tes jambes le plus près possible de ton visage.
et redépose tes plantes de pied dans le sol. Bravo. Deux mains sur tes tibias. Sur ton inspiration, tu ouvres dans ta poitrine. Et sur l'expiration, tu réouvres tes bras sur le côté. Et doucement, on va venir s'allonger le plus lentement possible. Ramène tes talons vers ton fessier et vérifie que tu peux les toucher avec le bout de tes doigts. Rétroverse ton bassin, pousse dans le sol et lève tes hanches vers le ciel. Ramène tes bras le long de tes oreilles. Puis redépose en ramenant tes bras au sol. À nouveau, tu pousses bras vers le ciel et tu redéposes. On continue encore 3 fois. Tu lèves et tu déposes. Pour 2. Et pour 1, reste en haut. Ramène ton pied gauche au centre et lève ta jambe droite vers le ciel. Puis plie ton genou droit pour le ramener vers ta poitrine. Tends à présent cette jambe et assure-toi que tes deux genoux sont bien alignés. Tire la pointe de ton pied très loin vers l'avant. Continue de résister en poussant dans tes épaules. Redépose ton pied droit à la place du gauche et lève ton genou gauche à ta poitrine. Et tends ensuite ta jambe gauche vers l'avant. On reste, c'est parti, allez, pousse dans ton pied droit, garde tes hanches bien droites. Et redépose ton pied gauche au sol. Puis tes hanches dans ton tapis, bassin rétroversé. Ouvre tes pieds à la largeur de ton tapis, puis joins tes genoux ensemble. Vois tes jambes vers le ciel et attrape tes talons par l'intérieur pour la posture du bébé heureux. Effectue une légère pression contre tes pieds pour amener tes genoux le plus près possible du sol. Bascule de gauche à droite, de sorte à masser l'arrière de ton dos. Relâche tes pieds. Tu viens placer ta cheville droite au-dessus de ta jambe gauche. Tes deux jambes sont pliées, tes deux pieds sont flex. Attrape ton tibia par les côtés avec tes deux mains. Effectue une légère pression pour amener ta jambe gauche vers ton visage. Tu vas alors sentir l'étirement à l'extérieur de ta hanche droite. Relâche la pression, garde tes jambes exactement là où elles sont et simplement fais-les tomber sur la gauche pour venir en torsion. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Ressors. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Viens placer ta cheville gauche au-dessus de ta cuisse droite et glisse ta main dans l'espace pour attraper ton tibia. Effectue une pression pour amener ta cuisse vers ton visage. Relâche la pression. Laisse tes jambes tomber cette fois-ci vers la droite. La plante de ton pied gauche est connectée à la terre et ton regard est au-dessus de ton épaule gauche.
et doucement ressort de la posture pour venir t'allonger complètement sur ton dos dans ta posture finale Shavasana. Entrelace tes mains au-dessus de ta tête et étire-toi complètement. Relâche les dernières tensions que tu maintiens dans ton corps. Ouvre tes jambes à la largeur de ton tapis et laisse tomber tes pieds comme un livre sur le côté. Offre-toi ce cadeau d'une relaxation profonde. Le corps et l'esprit complètement détendus. Connecté, tu t'offres ce cadeau d'une parenthèse ressourçante. Où l'immobilité et le silence sont rois. Commence à approfondir ta respiration. Trouver du mouvement dans tes doigts, tes orteils. En maintenant tes yeux fermés, tourne ta tête à gauche et à droite. Si ton corps t'y invite, entrelace tes mains au-dessus de ta tête et étire-toi comme un second réveil. Yeux fermés, tourne-toi sur le flanc gauche de ton corps. Utilise l'énergie de la terre pour te relever en position assise, yeux fermés. Passe à nouveau une main au centre de ta poitrine, une main sur ton ventre. Et prends un instant pour être pleinement connecté aux sensations dans ton corps. Être pleinement connecté à ta respiration. Peut-être aux différences que tu notes avec le début de cette pratique. Joins tes mains en prière. Et frotte-les le plus fort possible, le plus rapidement possible pour créer de la chaleur. Laisse à présent tes paumes de main devant ton visage. Et ressens cette chaleur envelopper tout ton corps depuis tes yeux. Une fois cette chaleur dissipée, joins à nouveau tes mains en prière devant ton cœur. Et incline-toi vers l'avant en signe de respect et de gratitude pour ton corps et pour ta pratique aujourd'hui.
J'espère que cette séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu découvres ma chaîne aujourd'hui, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour être prévenu dès que je poste une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites élever ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Tu peux accéder gratuitement à toute la plateforme pendant 7 jours et c'est sans engagement. Merci pour ta confiance et je te dis à très vite sur ton tapis.